Hello tout le monde, on se retrouve pour le troisième épisode de Final Fantasy VII Remake. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à le dire. Donc on en était dans des espèces d'égouts, tunnels. On va y retourner tout de suite. J'ai pas lancé tout de suite parce que j'avais eu peur qu'il y ait des dialogues et que je ne pouvais pas faire l'introduction. Donc on avait fait exploser le réacteur Mako dans l'épisode précédent avec un très beau combat de boss. Donc on va pas... On va continuer là, on est dans les ruines de... Ça pue le métal rouillé par ici. J'ai hâte de respirer un peu d'air frais. Les ruines de ce qui semble être des tunnels. Oh, sérieusement, ça chlingue grave là. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais ça vient de moi. Faut dire que j'ai eu une bonne dose de sueur froide. Oui, tu pues. Tu pues la sueur. Oh, le bloc de béton. J'en ai le ventre qui ballotte là. Ça n'arrête pas d'exploser. Sortons avant que ça nous tombe dessus. Vu la densité de Mako, sans catalyseur, à moins qu'il y ait eu de la poudre. Jesse, on verra ça plus tard. Non, oh, j'ai l'estomac qui arrête pas de gargouiller. Tu attendras qu'on rentre au QG. Eh ben la prochaine fois j'apporterai un casse-croûte. Oh oh oh. Tiens, tiens, ouais, tiens, c'est encore loin. Qui volage? Non, on y est presque. On devrait pouvoir sortir par ici. Bien, reculez, je vais faire sauter les portes. Rien. J'ai hâte de retrouver Marlène. Moi, dès que je rentre, je me douche. Ce serait bien de tracer un peu là, parce que je crois qu'ils m'attendent. Ça y est, c'est prêt. Bouchez-vous les oreilles! Regarde, juste écoutez. Moi, je recule à 15 mètres au moins. Allez, c'est bon, c'est ouvert. Moi, tout ce qui me gêne, on va quand même être sûr. Hein. Bon, allons-y. Bah, Jesse, t'es un peu pyromane quand même. Hein. Un petit peu sur les bords. À l'attention de la population. Ceci est un message du bureau de crise de la compagnie Shinra. Le réacteur Mako numéro 1 a été détruit par un attentat à la bombe non revendiqué. Les explosions secondaires continuent de se produire, entraînant de nombreux incendies. Le secteur 1 et le secteur 8 ont été déclarés zones sinistrées par les autorités. Les dégâts subis peuvent entraîner l'effondrement de bâtiments ou des chutes de décombres et de bris de verre. Veuillez évacuer les lieux au plus vite. Alors là, je m'attendais pas à ça. On a un peu abusé, je crois. C'est un peu tard pour les regrets. Ouais, ça tu l'as dit. On n'a pas le temps pour les sentiments. On a encore plein d'autres réacteurs à faire péter. On n'a pas le choix si on veut sauver la planète. Je sais bien. Je me suis fait une raison quand on a commencé. Et on en est encore qu'au tout début. On s'est donné une mission, celle de sauver le monde. Et pour y arriver, il va falloir faire des sacrifices. Mais je suis pas fou, vous savez. J'entends vos cris d'agonie à vous aussi. Ha ! Vous en faites pas ! Allez, mettez-moi tout sur le dos ! Vos craintes ? Vos doutes ? Vos petits soucis ? Sans oublier votre récompense. Tout ça, c'est ma responsabilité. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a prévu. On prend nos jambes à notre cou. D'accord, je vois une petite caisse ici. Hop, moi je vais juste vite veiller derrière, voilà, ne rien oublier. Ça va être bon. Hop. Et on continue. Donc on prend nos jambes à notre cou, comme il dit. L'autre. On va prendre le dernier train à la gare du secteur 8. On se retrouve tous au wagon de marchandises. Ok, à plus. Allez, laisse-moi passer. D'accord. Et l'argent que tu me dois? Quand on sera rentré au QG. Après la mission. Mais laisse-moi passer, je vais m'énerver. Je ne peux pas courir, moi.
Très bien. Il y a forcément un truc derrière dans la ruelle. Non, 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 non. Bon. Coucou. Ouais. Regarde, je suppose que tu sais ce que c'est. Une matéria de soins. Oui, je connais. Je te la donne, pour te remercier de m'avoir sauvé. J'ai fait que mon travail. Rien de plus normal. On l'a sauvé. J'insiste, ah oui. S'il te plaît. Si je suis là maintenant, c'est uniquement grâce à toi. Ceux qui survivent sont soit les chanceux, soit les vainqueurs. Reste à savoir dans quelle catégorie tu es. Mais c'est tout vu. En tout cas, ça me servira. Tu sais comment ça s'utilise, j'espère. Tu m'as pris pour un débutant, c'est ça? Alors, équipement matériel. Vous pouvez désormais insérer des matériaux dans vos armes. Commencez par placer la matéria soin. Je veux bien le tutoriel, ouais. Vous pouvez insérer des matériaux dans vos armes et vos protections via le menu équipement de matériel. D'accord. Placez la matéria soin dans l'épée broyeuse pour voir. Appuyez sur triangle. Les emplacements du haut sont ceux de l'arme du personnage. Ceux du bas sont ceux de sa protection. Les matériaux peuvent être insérés dans ceux qui sont vides. Et bah, insérons le matériel de soin. Insérer une matéria dans l'équipement du personnage lui permet d'utiliser de nouveaux sorts ou compétences ou encore augmenter certains de ses attributs. A vous d'essayer d'associer divers matériaux dans les emplacements de vos armes et protections. Ceci conclut ce tutoriel. Merci. Allez, on passe à la suite. Ouais, bon. Réglage de combat, non? Hop. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je vais faire. Équipement et matériaux. Question. Non. D'accord, je peux encore avoir ça. Ok. Pas de fenêtre de compétence. Pas t'effondrer pour t'en servir. Bon, on se retrouve au train. Ouais, ouais, on se retrouve au train. Moi, j'ai vu qu'il y avait un truc derrière. Un gamin. Oh, fouillé, on va essayer de rien perdre. Bon, je suppose qu'il n'y aura pas grand chose, mais on veille quand même. Tuer pas mal de monde, parce qu'ils ont blessé pas mal de Cloud, par ici. Regarde en haut. Je suis ici. Je suis en haut, je te dis. Regarde. Ah, ok. Ici, fais attention. J'ai l'air d'un con, là. Faut prendre les escaliers là-bas. Bravo. Du quoi, toi? On peut traverser les décombres en passant par cet escalier. Merci, j'ai dit. Après, c'est moi qui lui ai demandé. Hein. Oh, une caisse. Pas oublier les caisses. Trois grenades. Pas quoi ça sert pour l'instant, hein, mais ça servira. Alors, par combien je vais tomber? Non. Bon. Je suis tombé. Ah, c'était prévisible. Alors. Rien ici. Il n'y aura rien dans la ruelle. Madame, là-bas. Vous m'entendez? Essayez de parler. Vous faites-moi un signe. Ok. Là, il y a des trucs de la Chine. Hein. La gare est en violence, non? Non, même pas. Oh. Qu'est-ce que... On a quand même tout pété. Hein. Bah, on a tout pété. Théoriquement, non. Monsieur. Ça se peut pas. Qu'est-ce que je viens de voir? Bah d'accord. Ah,
peux même pas courir. C'est un peu la merde quand même. Hop, excusez-moi pour l'enjeu de caméra. Je pensais que j'avançais moins vite. Oh, une ruelle sans moi. Attention les épileptiques. Alors que là, où t'es bourré. Et lui qu'on voit et qu'on voit plus. C'est pas possible. C'est pas toi. Tu es mort. Ah bon? C'est même moi qui t'ai tué. Tu penses bien que je ne l'ai pas oublié. C'est un moment important de notre passé commun. Écoute. J'ai un service à te demander. Cet arbre est sur le point de s'éteindre. Sans un cri d'agonie. En silence. Tout doucement. Notre planète adorée va bientôt disparaître. Pour toujours. Sephiroth. Si la planète meurt, ton village natal qui a si magnifiquement brûlé s'évanouira. Tout comme le souvenir de cette femme implorant qu'on épargne son fils. Et la sensation que j'ai eue en la transperçant de mon sabre. Mais je ne saurais perdre le lien qui nous unit. Il m'est encore plus précieux que ma propre vie. Aide-moi, Cloud. Prête-moi ta force. N'aie crainte, il n'y a rien de plus simple. Pars en courant. Ne t'inquiète pas. Enfuis-toi. Tu dois survivre. Tu vas le payer! Voilà, c'est très bien. Un peu schizophrène. Ne t'avise pas de m'oublier. J'ai des visions. Je me suis trop approché de la Mako. Bon, allons-y. Allons voir derrière déjà. Bah derrière c'est bloqué. On va voir ici. Non, oula, je voulais pas ouvrir ça, désolé. Allez. La partie. Donc quand tu t'approches de la Mako, t'as des visions. D'accord. Oula 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 oula. Oh, y'a des gamins. On provoque des incendies. Nous vous recommandons d'évacuer les bâtiments dans le calme et de vous en tenir à l'écart. Évacuer les bâtiments dans le calme. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte un bâtiment. Ceci est un message du bureau de crise de la compagnie Shinra. Un ordre d'évacuation a été émis pour l'autoroute du secteur 8, ainsi que toutes les zones situées en dessous. Nous vous prions de vous éloigner. Il y a eu des dégâts, en effet. En outre, les secousses dues à l'explosion du réacteur Mako numéro 1. Ok, hop, ici. Aïe, ça fait mal au cœur. Faut pas voir le vertige ici. Oh putain. L'autre, il se tient même pas là en bas. T'as confiance en toi. Hein. Moi, un truc comme ça, tous les jours, je me tiens. Hop là. On fait un effort aussi. Ok.
Gauche ou droite? Pas droite. Non, pas gauche. Oh, merde, je sais pas où je dois aller. Surtout restons vigilants. Il y en a ici aussi. Ok. Peut-être éviter de se faire voir. Tu ne saurais protéger qui que ce soit. Cloud, tu n'es même pas sûr de toi. Est-ce que ça va? Dis, tu m'entends? Ouais. C'est pour toi. Prends-la. Une fleur? Oui. Merci. Tu les as chassées. Alors je te dois bien ça. Mais de quoi est-ce que tu parles? Disons, pour marquer notre rencontre. Il manquait plus que ça. Je t'ai entendu, tu sais. On va être gentil quand même. Et c'est combien? Le prix est variable suivant le client. Dans ton cas... Tu ne me dois rien. Hein? Tu sais ce qu'elle signifie? Retrouvaille. Une fleur. Je préfère t'avertir. Je sais très bien me défendre. Ok, j'en suis certaine. Et alors? Je ne me laisserai pas intimider. Ah! Tu crois que c'est un piège? Qu'une bande de gros bras t'attend dans l'autre rue? T'inquiète pas, je ferai jamais ça. C'est pas du tout mon genre. Un réacteur Mako a été détruit. Tu ferais mieux de vite retourner chez toi. Aide-moi! Plus que ça. Mais il ne les voit pas. À mon avis, on devrait se séparer. Au revoir. D'accord. Bon, bah c'est parti. Pose ton épée par terre, lentement. C'est toi le suspect! Je t'ai trouvé! Ici la 4ème brigade du secteur 8! Nous avons trouvé le suspect! Envoyez des renforts! Je répète, ici la 4ème brigade du secteur 8! Trop facile! Question, je peux aller dans la rue là-bas? Ah ah, il y a un coffre. Il y a même des petites caisses. Hop. Oups. Ok. On est parti. Par contre, je vois des trucs violets là comme ça au sol. C'est quoi? Un matériel.
cafétéria, esquive offensive. Ok, il y avait un autre truc là-bas. Rien à signaler. Reste où tu es. Pas grand chose parce que l'angle de caméra est pourri. Couche haut là. Couche pas une nette aussi. Par contre, je vais. Bon, bah, je vais devoir faire demi-tour tout seul, dans tous les cas. Puisque je n'ai nulle part où aller par ici. Et sur. Non, je peux pas faire ça. Non. D'accord. Oh, j'aurais pu prendre la voiture, vis à vis. Moi, j'entends comme des véhicules. Oh, elle décolle, mon garçon. Oh merde. Ça marchera pas. T'es foutu. Je serai sans pitié. Allez, couchez. J'ai même pas forcé. Oui, bon, Cloud, hein. Arrête de faire genre. Là, bah, y'a quoi? Pas un petit truc dans le. Non. Ah, bah, zut. Y'avait rien par ici. Bon, après, j'ai récupéré un petit truc violet, donc c'est pas mal. Par là, y'a rien. Allez. On continue la route, on va aller vers la grande fontaine qu'on a vue au fond. C'est quand tu veux. Thank you.
y a du monde. Aïe. Il y a un coffre en face. Fouillez partout ! Il ne doit pas nous échapper ! Oui, il y en a encore ? Ah ah ! Oui, oui, bah, je l'ai vu ton échelle, mais laisse-moi. Ce sera plus simple de passer par où ? On va prendre mon coffre. Alors, par contre, j'ai vu que sur la gauche, il y avait une petite ruelle. Ouais, il y avait un truc de caché derrière. Hop, allez. Il est là-bas. Oula. Tirez, tirez. Arrêtez de me retirer dessus. Monsieur, ça se fait pas beaucoup ce que vous faites. C'était moins une. Ah, mais ils sont en direction du quartier résidentiel. Bloquez toutes les voies d'accès. Ouah, t'aurais pu sauter, hein. J'ai pas le temps d'hésiter. Hop, on hésite pas, on hésite pas, on est juste un coffre. Attends. Non, il y a rien derrière. Huche. Hop là. Hop là. Y'a rien. Hop, garde anti-meute. En avant. Un peu méchant là que l'autre quand même. Ok, alors. Par ici y'a rien. On l'a attrapé. On va aller voir si je peux quelque chose là. On n'oublie rien. Ok, rien ici. Je vais vérifier quand même. Moi. Je vais vérifier. Ici, est-ce qu'on peut prendre le chemin? Oui, normalement. Bah, l'eau qui va nous bloquer quand même. Eh, mine de rien, elle m'a mis dans la merde. Allez, Rich. Vas-y, essaye, qu'est-ce que t'as con. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Très bien. Ah,
bouclée et nous savons où tu es. Hop. Oula. Certains ennemis utilisent des attaques imparables qui leur permettent de capturer un de vos ennemis. Lorsque cela arrive, il suffit de changer de personnage puis d'attaquer l'ennemi pour briser son... Ah, et là on fait quoi quand c'est comme ça? J'ai juste besoin de me soigner une fois. Cloud, on est en train de galérer quand même, hein. Tu pourrais arrêter de dire des déjà fini, ils sont comme ça. Hein. Hop. Ouah, une super potion. À quand les Pokéballs? Hop, bon, pour moi c'est la meilleure potion. Quoi. Bon. Oh, purée. Comme un rat. Tu nous as fait perdre assez de temps. Oula. Il sait qu'il y a du beau monde par ici. Alors, compétence, âme du brave. Et pourquoi tu... Ah oh, putain, j'ai bloqué. Ciblage de zone. Ok. C'est bon. Mais oh, change de ciblage de fond. Ce combat dans le prochain épisode, les gars, on essaiera de faire mieux. Donc sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, à lâcher un petit like, un petit commentaire. Sur ce, ciao.